Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 62 de Baldur's Gate. C'est ça, dans la joie et l'allégresse. Plus que 7, du coup. Et ouais. Et on était devant deux énormes sphères au milieu d'une tour, et il n'y a aucun symbole phallique, évidemment. Alors, j'ai appuyé sur un bouton. Ouais. Ah, T'as c'était tout pas le bon. pété. T'es retourné où? T'es retourné à la salle des coffres? Katox, surtout ne bouge pas, il y a des. Hein? Oh! Ah ouais, j'ai mis des nuages de gaz. D'accord. Ah, t'as cliqué sur sécurité? Attends, je reclique dessus. Donc j'ai cliqué sur clean up. Ah, nettoyage, ouais. Bah en fait faut Voilà, cliquer validation. sur alors attends. Alors sécurité, à mon C'est avis, c'est celui-là. pas le bon plan. Non, je viens de cliquer dessus, ça en Oui, fait mais. me TP à l'intérieur. Bah oui, mais c'est là où on veut aller en fait. Ah oui, mais. Du coup, on vous attendait pour cliquer sur les trucs. Ah. Vas-y, clique sur les trucs. Tu fais celui de gauche, je fais celui de droite, on fait ça, Oui. Arda? Tire le 1, levier, 2, Kronk. 3. Clink, clink. Ah, bon, tu vas peut-être le faire, Arda, faut de l'intelligence. Ok, je Je viens crois de qu'il a louper loupé mon son jet jet. là. Oh, je crois que Ouh. la dernière fois c'était ça buguait. Ah, la dernière fois j'avais réussi à pas crever, mais là non. Ça va? Ah, ça se passe Oh, bien. bah c'est la désintégration quoi. Putain, l'élixir! Oh Ah bah no! c'était ça qui t'avait retiré l'élixir. Bah oui. Mais je suis pas mort pourtant là, tout à l'heure. Ah bah là vu que tu viens de lécher le sol de façon très efficace à mon avis. Allez, moi déjà je récupère le bâton. Marre Oh, un bâton pour moi. oh, oh, Ça marche à oh, oh. réfléchir. Tiens, je suis marqué comme étant encombré. Ah ouais, Bâton. bah alors là, voilà, ça y est. Oh, et ce bâton-là, il est tellement bien. Par contre, Mec, il est. là, tu Pourquoi as. est-ce que je suis passé en encombré là? Ça va pas du tout. Parce que t'as à peu près une qualité de porc d'un lapin, Bah... hein. Ok, je regarderai le bâton après. Je vais ouvrir la deuxième barrière. T'es ouf. Oh, il est fou. Mais cet homme est fou. Arrêtez-le. Ça va passer, hein. 15 plus 9, 24. Allez, glow, réussite. Continuez. Mais tu vois, c'est ça que je trouve assez frustrant. C'est qu'il y a, certes, des mages, des guerriers, des machins. Il n'y a personne qui a une tour de moine là. Genre, on a fait Même temps, un c'est monastère quoi les. abandonné entier. J'avoue la médisance du propos quand même. Genre, Ouais, mais il et y t'as avait un pas truc un pour les stuff démons? pour moi. T'as un truc pour les démons, peut-être? Hein? Bah attends, on croise une démone toutes les 5 minutes. Oui, évidemment, mais Et. c'est pas ça, c'est pas elle Eh qui mais m'aide. c'est pas mal ce que je vais récupérer là. Ah mais le bâton surtout, moi je te conseille, c'est. Merde, c'est lequel? C'est le bouclier d'électricité, je crois. Oh là Putain, là! une robe qui s'auto-heal, quoi. Ouais, franchement, je gagne 1 à 6 PV quand je fais un jet de sauvegarde sur un sort. J'ai plus 2 de classe d'armure. Et j'ai un bonus de plus 1 au jet de sauvegarde contre sort Attends, mais sur. du coup, quand tu le mets, tu passes à 20 de CA? Par contre, oui, je crois que ça se stack pas avec tes bras. Il y a Je un truc qui passe à C'est ça, 20 ce de stack. CA. Mais vas-y, y a que moi qui suis pas à 20 là. Non, Ouais. moi je suis à 18. Ah, alors, ce T'étais à petit 20 la bâton dernière fois, pourquoi? légendaire, il fait quoi? Un Oui, mais je bonus pouvais au jet de utiliser sauvegarde aucun contre les sort. sorts. Batterie arcanique. Putain, eh oh, tu me le rends s'il te plaît? Je suis en train de le lire. T'es con. Merci. Ah, surtout regarde le Kereska Favors. Ce Favor, bâton bravo. vous aide Bravo. à lancer des sorts, ce qui vous permet de faire en déployant moins d'efforts. Le prochain sort que vous lancez ne vous coûte aucun emplacement de sort. Oui, après, c'est au choix. Équipe le bâton pour comprendre comment il marche, parce que c'est pas non plus forcément intuitif. Il est équipé. Oh, il est Et là, classe! tu regardes maintenant dans tes actions communes, t'as Ouais, j'ai un le truc, truc. le faveur de Kereska là, sort Ouais. d'évocation de niveau 4. Donc j'utilise un sort de niveau 4 pour potentiellement un sort Non, niveau 5 non, non, qui s'en sort. ne crames pas, tu ne crames pas d'emplacement de sort, c'est juste que ça te dit que c'est scale level 4. Les sorts que tu vas balancer avec le bâton seront scale level 4. Ah! Enfin, C'est pas de ce bon là. que. Bah non. Bah alors, attends, vas-y, clique sur l'un d'eux, enfin, clique dessus et tu vas comprendre le bousin. Cataclysme grésillant, givre du sombre hiver, flamme du courroux, éclair funeste du destin. Plus mortel que l'arsenic, d'accord. Tonnerre assourdissant. En gros, c'est des sorts que je peux balancer qui me coûtent pas d'emplacement de sort, Non, c'est ça? mais c'est un truc différent. Après, là, tu vas dans tes. Si tu vas dans tes actions communes passives, là, comme quand tu actives les attaques non létales, bah, tu peux activer un truc qui fait que le prochain spell que tu lances, il coûte rien.
Ah, d'ailleurs, Ferrand. C'est des sélections de sorts, en gros, c'est des sorts qui sont chargés dans ton bâton. Et quand tu vas choisir un truc qui va te filer une... Enfin, s'ils n'ont pas changé le bâton entre-temps, mais avant, quand tu cliquais sur l'un des trucs au choix, ça te unlockait deux sorts. Deux sorts en fonction du bouclier de protection que tu vas mettre. Bon, bien sûr, attenant à l'élément que tu auras choisi. C'est très phallique, vos histoires. Là, tu peux... le balancer une fois chacun, je crois, ou certains, tu peux le balancer deux fois, si je me trompe pas. Mais moi, de ceux que j'avais vus, je pense que c'était l'électricité qui était le plus intéressant au niveau dégâts. Après, normalement, si tu regardes, ils te mettent le détail des sorts qui composeront ton petit duo de sorts gratos. Lorsque vous infligez des dégâts de sorts, vous gagnez une charge de foudre tant que vous êtes en harmonie avec la foudre de Kereska. Vous pouvez lancer chaîne d'éclair et éclair. C'est ça. Attends, chaîne d'éclair et éclair ? Ouais. Ah, ça, je me demande s'ils l'ont pas changé. Alors, le bouclier de feu, ça fait quoi ? Parce que moi, j'aime bien attends, le mais feu. Attends, mais... Je viens de remarquer un truc, c'est qu'en fait, Munmir, t'es full violet. Enfin, t'es full rose, globalement. À part tes anneaux, full rose. Ah ouais, bah après, le casque, je l'ai récupéré au tout début de l'aventure. La cape, j'ai demandé, mais non, après... Mais te justifie pas. Ouais, alors, le rose me va bien, alors qu'est-ce que... Merde. T'es une crevure, vis avec, quoi. Alors, mais c'est surtout que... Notre... Bah, c'est un nain, quoi. Que je suis certes tout en rose, mais je fais moins de dégâts que toi. Alors que toi, t'es même pas en bleu. Ouais, mais est-ce que tu utilises au moins ton coulour, là? Bah, quand tu tapes, tu peux faire moins 5 à tes jets d'attaque, mais tu fais plus 10 de dommages. Ah, couloir, c'est comme la musique de l'Indien là. Couloir. Je me casse. C'est terrible. Juste, je me casse. Non, bah, t'as pas de finesse. Tu vois, ça, c'est des gens culturés qui sachent. Nous sachons. Ah mais attends, mais c'est quoi brume mortelle? Qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est du poison. T'aurais dû être plus de ce que je disais tout à l'heure en fait. Absolument pas. Non mais c'est parce que je suis immunisé au poison. J'étais là, j'ai un PV, mais comme je suis immunisé, c'est bon. Ah ouais, c'est Cloud Kill carrément. C'est pas. Ah oui. Ouais, mais c'est des dommages de poison, donc je peux m'en battre les couilles en fait. Donc allez, on est reparti là-haut. Et du coup, t'as fait tout le dessus la dernière fois. Et après, je tiens à dire que tu auras. Ah, mais bah non, je suis bête, j'allais dire, tu seras le seul à avoir un objet légendaire, mais non. C'est à moi? Ouais, non. Alors, je sais pas si. Non, c'est même pas un objet légendaire, je crois que t'as un. Bah, je sais plus. Enfin, j'ai envie de te dire, je suis le seul. Juste comme ça, je suis le seul à avoir une arme bleue, hein. J'ai pas envie de faire chier, mais... C'est surtout que c'est même pas une arme qui est censée marcher pour toi. C'est, t'as récupéré le truc dans le caniveau, tu t'es dit, bon, pourquoi pas. En même temps, t'imagines si t'avais une arme rose, t'es déjà en train de tabasser tout le monde à la Gatling. J'en ai une d'arme rose, mais elle est moins bien que la mienne. J'ai encore trouvé un bouton de la trame, il y avait marqué artillerie dessus. Ah, mais c'est ça, vas-y, appuie sur le bouton, c'était le champion. Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment que j'appuie sur le bouton? Oui. Pourquoi il te pleut à la gueule là? Parce qu'il y a la main du mage qui a lancé pluie. Donc j'appuie sur le bouton de la trame de l'artillerie, on est d'accord. Hein. Vas-y. T'es où là? Je suis dehors. T'es sur le balcon? Ouais. Putain, on sort par où? Au secours! Il y a un trou dans le mur. Je le cherche là, je le trouve pas. Bah, je te bâtonne. Ah, il est là! Non, bah non. Bon, vas-y, appuie sur le bouton. Hein. Ouais, je suis devant un truc qu'on pourrait casser normalement. T'as cliqué dessus ou pas? Oui, il y a une boule de feu qui est partie dans la ville. Voilà. Dans la ville? Oui, bah c'est artir magique quoi. C'est des armoires. Mais ça a tué des gens du coup? Je sais pas, il y a pas eu d'explosion. Non, tu... Par contre, ça part d'où? J'ai pas d'eau dessus, mais tour, pas grand chose. Hein. C'est un peu pétard mouillé. Ah ouais, ça part de. Oui, c'est vraiment. On va peut-être en train de raser la moitié de la ville, mais toujours pas. J'en ai mis 3, hein, voilà. Il y a un dicton qui dit 8, ça suffit.
Attends, mais moi j'ai trouvé une clé là dernièrement, mais la grosse clé en fer, je sais pas trop ce que c'est. Pour un gros coffre en fer. Mais je c'est pas compliqué. Pas où est cette putain de sortie? Tu vas voir, elle est pas loin. Mais là, bah, j'étais à côté du. Oh là là. C'est là où je suis, la sortie. Attends, mais Arda, t'as pu rentrer là où il y avait la plaque de bois? Oui. Bah, je passais à travers. C'est pas solide le bois. Ah bon, d'accord, c'est. Non, moi je peux pas d'accord. aller. J'ai une planche en bois devant ma gueule là, et je ne peux pas traverser. Allez, tu sais pourquoi. Et y a rien. C'était mode ça. Mais j'ai plus de mode, j'avais que le mode de la caméra. Bah, je sais pas. Mais moi je vois qu'elle est pas là. Ah, moi je la vois par contre, mais je passe à travers. Et du coup, pour partir, parce qu'il faut peut-être qu'on parte. Bah, faut sauter sur les différents trucs et ensuite. Non, on peut. Ah, parce qu'il y a encore des trucs à looter là-haut. Non, mais faut rentrer par là quoi. Pas forcément, on peut cliquer sur. Ah, oui, c'est vrai. Attends, c'était où déjà? C'est la porte des basiques. Ah non, c'est Lower City Central Hall Wall que j'ai cliqué. Ah, tu passes par la map. Ah ouais, en flemme, je vais pas me ramuser à faire du saut de mouton sur les. Par contre. Du coup, on avait dit que c'était quoi? Mur central de la ville Bells. Ouais. Go. Attendez, par contre, j'ai envie de voir parce que vu qu'on l'a bousillé, est-ce que le marchand se. Alors, il est encore là, mais je sais pas si la projection elle va rester longtemps. Ah. Trade avec qui? Ah non, c'est les mêmes trucs que là. Oh, ils ont changé la gueule de l'interface. Pour les. Oh. Ah, c'est joli. Oh, c'est pimpant. Je vais aller voir ça. Oh, ouais. Oh, tu vas voir. Oh là là. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Ah, vraiment. Le menu de trade est super beau. Ils ont changé le menu? Ouais, mention spéciale au petit coin en haut à gauche. Oh, t'as toujours une tête de débile, toi, quand même. Ah ouais. Oh, en plus, ça te dit que t'as une réduction de autant, c'est bien. Ouais, c'est trop bien, non? Bon, plus qu'à me trouver une cape stylée qui ira bien avec ma nouvelle robe. Tu te fous de ma gueule? Oui. Mais ta cape, elle est trop bien. Ah, mais elle passe stylée. Oui, mais la couleur ne me va pas. Alors, c'est pas comme si on avait des teintures. Il gagne un point. J'ai de la teinture océanique. J'imagine bien depuis lila, voilà. Jaune, blanc écarlate, vert et sauge, vert marécage et rouge. Bah là, j'ai du bleu et du rouge et je trouve pas ça ouf avec ma robe grise. Alors. Est-ce que tu voudrais un petit bleu. Comment dire, un petit bleu minuit. Tu veux du lilas foncé? Lilas foncé pour faire ressortir le côté magicien? Ça fait un peu tâte. Enfin bref. Oh, de suite. Un bleu océanique. Parce que c'est drôle, parce que dans océanique, il y a Océa surtout. Ouais. Attends, je vais aller. On pense aux mêmes blagues. Non, c'est pas grave. En vrai, on s'en fout un peu. Trop tard, je l'ai pris. Je vais dans le camp. Ouais, attends. Mais j'achète pas des teintures. Oh. Bah. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Catox, mais c'est... Oh, le Traveler's Chest. Oh oui. Non, il y a des trucs qu'ils ont rajoutés. Alors là, c'est... Oh. Et bah en fait, maintenant, t'as une vraie grille de... T'es en train de vendre des trucs, là, on est d'accord? Ah, absolument pas. Non, mais t'étais pas chez un marchand? Bah non. Ah, ouais. Ils ont agrandi la largeur des sacs que t'as. Avant, t'avais une pauvre grille de 4x4, et là, c'est devenu 2x4x6. Et ton coffre de voyage dans le camp, t'as une grille, mais t'as une papa grille quoi. C'est enfin tu vois ce que tu fais dans ton inventaire. Pas mal. Ah putain, mais ça c'était un add-on qui rajoutait ça. Et ouais, j'irai trifouiller voir s'il n'y a pas moyen de. Bon, du coup, où est-ce qu'on doit aller maintenant? Attends, c'était quoi que je regardais? C'était les teintures. Monsieur voulait des teintures. Soit on va au sud pour la reine de la pègre, soit on va au nord pour le palais de Casador, soit on va au nord pour libérer Orpheus. Alors moi, aux teintures, je te propose donc pourpre, sage green, ça il a déjà dit, pale green, noir et jade,
Diplila, Lavande, Indigo. File la pourpre, et puis ça sera très bien. Pourpre, ok. Je speed item, paf. Merci. Alors, Arda. Moi aussi, j'ai le droit de me pimper un peu. Est-ce que tu veux. Non, j'ai aussi de l'indigo, j'ai du Brown Albaster, ça te fait une petite couleur blanche très jolie. Ah, tiens, du Baby Blue and Gold Dye. Celle-là, elle est jolie, moi j'aime bien. Je split item et j'en envoie deux. Si, c'est gentil. Le rouge, j'en ai qu'une. Arlequin, j'en ai que trois. Ah, si, y'a que ça, attends. Je split et je t'en envoie une d'Arlequin. Par contre, j'ai l'impression que les tris ne fonctionnent plus très très bien. Pourquoi ? On peut galérer à réorganiser un peu mon inventaire. Bah non. Oh, mais même les sacs chez toi ! Ah yes ! Oh ça, c'est trop bien. Ça veut dire que t'as plus besoin des mods. Ça justement, ça faisait partie des mods que je me disais vraiment qu'il allait être un must-have et... Ah, qu'ils aient changé ce truc, c'est franchement plaisant. Ça, quand même, on peut pas le retirer à l'Ariane. Hein. Ils prennent en compte les mods qui sont cool pour les intégrer au jeu. Ils laissent pas juste les modeurs réparer les trucs. Ils devraient tellement faire ça dans la majorité des jeux. Genre, la première chose, c'est regarder les mods et faire celui-là a beaucoup de succès. Il y a peut-être une leçon à en tirer. Ah ouais, carrément. Une leçon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je connais pas. Bisous, hein, Bethesda. Bon, du coup, on va où ? Parce que. On court, mais on sait pas où ce qu'on va. Sinon, je prends une quête au hasard et je la fais. T'avais dit. Attends, je sors du. Il y avait soit suivre Orin, soit faire le truc de la chef de la pègre et retrouver Minsk, explorer le palais de Casador ou libérer Orpheus. Moi j'ai un truc, parler à Daemon. Non ? Ah non, mais oui, non. Oh, mais ça fait des plombes qu'il est là. Ouais, mais je crois que c'est la quête pour Karlak, c'est pour ça que ça sert à rien. On n'avait pas le truc avec le dragon aussi ? Si ? Si. On dit qu'on aille rencontrer un dragon potentiellement. Ouais, allez. Moi je veux rencontrer le dragon. Je suis sûr, il y a un succès. Atémir, tu veux pas te. Ah, il est là-bas. Ah non. Ouais, je peux. Pourquoi les coffres ils ont disparu ? Hein ? Quel coffre ? Bah, je suis au campement, mais les coffres ils ont tous disparu là. Ah non, ils sont sur la gauche. Mais c'est juste que tu dois avoir le bug de pas les voir. Ouais, je peux même pas cliquer dessus là. Autant la dernière fois je pouvais, autant là je peux plus. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai peut-être loupé le truc, il est où le dragon ? Je sais pas, je le vois pas sur la carte. C'est TP où déjà le dragon ? Wyrmrock. Wyrmrock. Ah, la voix du Dracossia ? Oui. Yes. Là, je vais lancer le TP, faut juste dire oui. Oui, je pourrais me soigner, oui, effectivement. Il y aurait de l'idée avant qu'on entame les prochaines hostilités. Ouais, mais en fait, je voulais savoir si on faisait pas un short rest avant, tu vois, savoir si je me healais ou si je prenais le heal du short rest. Vous avez regardé la vidéo de l'officier américain là qui a peur à cause du gland ? Oui, ah, mais c'est lui le gland. Ah, mais vous avez vu les deux roulettes qu'il fait ? Franchement, j'étais là, mais attends, mais c'est un sketch, c'est surtout ce qui me dépite, c'est que le gars il a vidé son chargeur dans la rue en mode. Ah, ouais, c'est pour ça que je pense vraiment que c'était des balles à blanc qu'il a tiré. Enfin, non, t'as les douilles qui sautaient. Bah oui, alors. Les douilles, c'est pareil. Oui, les balles à blanc, il y a des douilles, Arda, mais. Ah, ok, je croyais pas. Non, c'est juste que tu mets des trucs dans tes douilles pour faire du bruit, mais c'est genre des pétards. Mais oui. Super. Pourquoi il y a un endroit où on n'est jamais allé là ? Ça, pas du tout ça. Un endroit où on n'est jamais allé ? Attendez. Je viens de remarquer quelque chose. Quoi ? Il va encore nous emmener où les ? Ah, nulle part, t'inquiète, c'est juste à côté. Truc avec le fabricant de jouets ? Ah, attendez, ouais, le truc du fabricant de jouets à côté, on l'a pas fait ça, enfin. J'sais enquêter pas, mais... sur les jouets. Alors déjà, mais c'est pas ça, c'est... Y a un endroit là où... Ah,
non, c'est parce que je suis monté à l'étage que c'est devenu... Ah bah je vais faire le test, attendez, je vais voir si sauter d'un balcon à l'autre me fait juste me rappeler le genou ou si je... Ah ouais, voilà, c'est ça. Non mais c'est bien ce que je pensais, c'est ici il y a une porte, on n'est jamais allé en fait. Ah ouais. Alors déjà ça semble prometteur. Vous en faites pas, c'est ouvert. Est-ce que tu veux sauvegarder maintenant? Je fais mon test. Ah bah tu vois, j'ai bien fait de pas me heal. En TP1, je suis passé full vie. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. J'avais oublié qu'il y avait cette histoire, tiens. Ah, mais j'ai récupéré mes trucs pour remettre du ki aussi. Bon, c'est incroyable. Hey, y'a un rat. Je lui parle. Ah mais c'est Ratatouille. Quoi? Le mec qui me fait arrête-toi, tout ce qui est dans cette cave c'est la bouffe des rats, c'est Ratatouille, c'est Ratatouille. Non bah non, ça a l'air d'être d'avoir réparé le bug là, j'ai pu sauter, ça me plaît bien, ça ça me rappelle genou. Ah là non, fallait plus. On est en train de lancer une révolution des rats, c'est parti. J'allais tellement te dire vas-y, clique là-dessus. Alors, mais il a rien fait, je suis tellement déçu. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans son coffre à lui? Bah, il y a rien, moi j'ai tout pris quand même. Ouais, j'ai beaucoup de rats. Non, en fait, il y avait des prix, je les ai pris. Il y avait rien là-dedans. C'était triste. Je t'ai envoyé une petite flèche. Incroyable. C'était où là? Bah il y avait un truc qui était gris sur la, enfin noir sur la carte, et ça me stressait, donc je suis allé voir ce que c'était. Car comme alors tout... une potion pour le nain, une potion pour la madame. Ne me remerciez pas. Savoir par où vous êtes. Ah par là. Ah incroyable. Je vous ai envoyé des potions de guérison suprême. Je commence à en avoir quelques-unes de celles-ci là. Ouais, mais vous avez plus besoin que moi. Ouais, je connaissais pas cet endroit. Ah, oh, j'étais pas venu dans ma première partie. Oh. Eh ben, c'est... Ah, c'est super. Comment ça, on en a pas autant que toi? Hein? Non, j'aimerais bien savoir combien t'en as en date celle-ci, parce que... Ah, bah j'en ai zéro maintenant. Mais vous en avez plus besoin que moi. Ah, j'ai... Mais... T'en as que deux? J'en ai quatre déjà, donc si tu veux, je t'en donne deux. Non, attends. Je n'en ai pas besoin, je ne prends pas de coups. Non mais je vais t'en donner quelques-unes, mais alors, si tu veux, je note tes mots. Tu m'as l'air de pas en avoir beaucoup, ça me stresse. Elles sont où d'ailleurs les miennes? Elles sont passées où? Je sais pas dans quel coffre. J'en profite pendant que vous faites vos kiki pour aller vendre toutes les merdouilles que j'ai. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça comme... Ah bah voilà, tu veux vendre des merdouilles? Bah vas-y, je vais t'en donner des merdouilles en plus. Tiens, Arda. Bon, c'était bien, mais y a rien d'autre dans cette cave là? C'est un peu triste. Bah y avait de la bouffe, c'est une cave de bouffe quoi. Toutes les caves ne sont pas forcément... Ah, c'est bon, il y a plus... Je suis déçu, il n'y a pas d'item légendaire ici. C'est découvert, la carte, ça a beaucoup mieux. Bon, et ensuite, le marchand de jouets, c'était quoi? Bah, il fallait le voir avant qu'on trouve une porte fermée qui vous a fait... Ça m'a stressé, une porte où on n'est pas allé, tu sais... C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire des trucs méthodiquement comme ça, au moins on loupe rien. Est-ce que vous voulez cautionner la prostitution ou pas? Moi je cautionne, moi je cautionne. Ah bah, là, pour cautionner, c'est par là. C'est où? Oh, mais attends, je regarde pas ce qui se passe. J'ai pas un G. Ah, chez Nîmes Orlit et chez Son Orlit? Non, là où on est. Non, mais c'est là où tu pinges là. Bah, je ping devant. Les deux ouais, là? Ouais, c'est ça, ouais, les deux. Ah, je cautionne avec la meuf. Ah bah. Ah, tu avec les deux. Ah oui, je me suis fait spoil ce passage là. Incroyable. Ne soyez pas timide, dit-elle avec sa plus simple armure. Oh, c'est elle qui me dit ça, c'est elle qui me ouais, dit ça. Ouais, c'est ça, mais hein, à toi quoi. What do you think, silly? Love, of course. Hot and vulgar with me. Or sweet and sincere with my sister.
Et pourquoi pas les deux? You don't want to miss my signature Mezzobaranzan love trick. Le nom qu'il lui a donné, quoi. Ça pume. We will only allow that if we know there is an evening of exceptional pleasure awaiting us. Usually, one darling alone is not enough to match the two of us. Comment ça? Tu peux pas faire les deux en même temps? Si, normalement tu peux, mais Return to us if you have a lover willing to take. Ah! Ah! Peut-être qu'il faut que t'enrôles. Ouais, si, ouais. Bah ouais. Parce que dans les spoils que j'avais vus, fallait y aller avec un compagnon. Ah ouais, c'est quoi? Bah, c'est après, c'est hanky panky dans une chambre, c'est ça? Ah bah, c'est. Et tu découvres en fait les us et coutumes. Le plus drôle. Je sais pas moi. Tu... Bon, je parle à Arthur Gregorio là. Ah, allez. C'est fou. Followed me all the way here. What could you possibly want with me now? Ah, c'est vrai que c'est le gars qu'on poursuivait là, à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il y a pas? Je sais que ça remonte à tellement longtemps que j'ai quasiment oublié. What? How? Nine hells. Whatever you think you. Ah oui, c'est vrai. I'm sure some gold would help you to forget. Il va falloir plus qu'un peu d'or, hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. On veut des objets, genre un super bâton. Bon, du coup, je suis allé me spoiler. Et effectivement, il n'y a pas mieux que ce que j'ai en bâton. C'est un peu triste. Hein. Please don't. What do you want from me? On m'a obligé. Ouais, mais toi, tu peux avoir, t'auras des gants pour faire la bagarre avec tes poings, et là, par contre, c'est imbattable niveau. Ah, j'ai vu, c'est plus 10, ouais. Oui, voilà, donc en fait, plus besoin de bâtons parce que tes poings sont des bâtons, donc même tes poings en fait deviennent plus puissants qu'une arme à deux mains. En même temps. Bah, là, c'est pas normal. Ouais, je suis un moine. Hein. Je suis pété. Je suis un guerrier. Normalement, je suis censé mettre des bonnes. Des bonbons pif. Oh. Parfait. Oh, facile. Easy. All right. Just don't hurt me. Pas encore. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder. Inside the device. I collect packages from Fenoga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to. Because I have to. Otherwise they'll kill me. His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. Pas grave. Take it, all of it. I don't care. You'll never see me again. I promise. J'ai une belle raclure quand même. La sécurité des enfants, gosses des rues. Allez, petite inspiration pour Atémir. 178 PS, c'est pas dégueu. De quoi de PO? Non, je suis bien comme ça. Du coup, t'as vu, je t'avais filé des objets à vendre. Ah oui, ça a été vendu justement, c'est parfait, pour ça que parfait, je n'étais parfait. Pas avec vous. Tiens, je t'envoie un œuf. Un œuf? Non, à Atenia, j'ai envoyé un œuf. Alors, c'est un charmant petit œuf. C'est mignon. Oh, incroyable. Il y avait pas des compos chez le marchand? Je vais aller voir. Attends, je viens de voir quelque chose. Ah mince, okay. On est passé devant les shops tout à l'heure du marchand. Il y avait la vendeuse de composants et de compos qu'on a déjà croisé dans un des actes du jeu. Pourquoi dans toutes les caisses devant lesquelles je passe, tout est pourri?
même pas looté dans ce pays. Caisse n'est pas le meilleur des... Parfait. C'est incroyable, ils ont enfin fait un truc... Enfin, c'était peut-être là avant, tu me diras, j'avais jamais fait gaffe, mais en fait, tu peux faire des raccourcis personnalisés. Alors, on peut... Supérieur healing... Bon, je t'en prends, toi, peut-être que tu vas dire oui. Ouais, du combo, moi je prends. D'accord, bon, ouais, combo là. Alors. Il y aurait pas des petits crocs d'wargs? Je regarde ça. Et du coup, la vendeuse de dont tu parlais, elle est pas ici, elle est pas au Dracossir, c'est ça? La vendeuse, elle était juste à côté du magasin magique. On était à côté, on s'était payé avant d'y aller, c'est ballot, mais... Là, c'est pas elle sera toujours là quand on y retournera, donc ça... Ah, ça c'est bien. Ça c'est... Ah, des petites compos pour faire des pots de vitesse. Bon, du coup, je vous attends sur le coin où on peut sauter... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une pièce qu'on n'a pas visitée. Elle était là. Ah, il faut y aller alors. Bon, du coup, je vais prendre un élixir d'héroïsme plutôt. Ça sera mieux. Et où ton truc où on n'est pas allé Boutique de potions et d'alchimie. C'est où? Bah là où je suis. Et où? Bah voilà. Je t'ai acheté des compos qui sont intéressantes à mon avis. Ah mais il est là, Mimir déjà. Tu es à côté du nain. Ah oui. Ah c'est bon, je t'ai filé les compos. Merci. Bon, bref, je regarde s'il y a d'autres trucs, mais j'ai pas l'impression que le reste soit vraiment intéressant. Ah oh, il y a une, c'est accrocheté ici. Attends. J'arrive. Je regardais s'il y avait pas quelques composants qui n'était plus souhaité par les propriétaires de l'auberge, mais manifestement, ils voulaient encore de tout. Ah oui. Je peux pas faire d'élixir de soif de sang et de. Non, bien, j'ai pas trouvé de crocs des eaux. Ouais. C'était quoi le potion de vitesse? C'était ça que tu me demandais? Ouais, il y avait des petites oreilles. J'ai récupéré des oreilles de chien. Potion de vitesse, effectivement, je peux en faire 3. Ouh. Bonjour bel enfant. Non, c'est je viens d'entrer dans une pièce. Autant vous dire que je vole tout ce qu'il y a. Hein. Il y a des composants, en veux-tu, en voilà, partout sur les murs. C'est incroyable. Celui qui disait... C'est derrière la boutique de potions, là. Genre, on est dans l'arrière-cour, quoi. Ah... De l'or, toxine de vouivre, élixir de résistance psychique, potion de guérison supérieure et potion de forme gazeuse. Allez! Ah bah tiens, bah là j'ai trouvé une popo de vitesse. Paf, je prends la popo de vitesse. Un petit doigt de géant de nuage. Allez hop, comme ça! Ah ouais. Là j'ai trouvé un élixir de géant des nuages aussi. Attends, je n'ai combien? Où est-ce que j'ai rangé mes potions, moi? C'est là-dedans? Ouais, c'est là-dedans que j'ai rangé mes potions. Ah, oh, j'ai plus assez de thunes. Des compos. Plein de compos. Tiens, Arda, je t'en ai envoyé plein. Ah ouais, alors là, il y a vraiment plein de compos. Alors là... Attends, il y a encore un truc. Chez moi, c'est j'attends impatiemment que ça bouge. Je vais finir par faire une pause parce que putain, les épisodes marchands là, JPP. Mais on est en train de looter des trucs. C'est pas du tout un épisode. Mais il y a encore un truc à crocheter. Mais on n'a jamais fini cette ville en fait. C'est ouf. Et parfait. T'es passé par où là? T'es passé par l'échelle? Ouais, je sais pas. Je suis derrière. Ouais. T'es passé par derrière. D'accord, ok. On était parti chercher un dragon à la base. Géant des nuages, allez, alors, c'est parti. Certes, oh oui. Géant des nuages, Munmir. Ah là, oui, voilà. Oh là, dis donc. Ouh, oulala. Ah oui, c'est. Ouais, bah là, on a tout looté là-dedans. C'était la caverne d'Ali Baba. C'était incroyable. Tu fais des milliards de trucs. Paf. Attends, j'ai trouvé un nouveau truc ici. Je crois qu'il a pas aimé le monsieur. Ah, on va encore avoir
La fameuse suivie avec 14 fois le truc où... Mon dieu, vous avez volé. Bah moi je Ouais monte sur le toit comme ouais. ça, au moins je suis caché. Bon bah écoute, j'ai fermé la porte, ça l'a pas dérangé. Hey, cessez de voler chez moi. D'accord. Bah attends, y a une potion là. Y a des trucs dans les paniers. Mais il y a un sous-sol ici. Non mais c'est incroyable! Comment ça se fait qu'on n'est jamais venu? Oh, des parchemins. Oh là là. Tu veux pas venir, Katox? Bah à la base on était censé chercher un putain de dragon. Bah oui mais Oui, mais on a bon, trouvé mieux à faire sur le passage, on a trouvé des trucs sympas, tu vois. Ah, un petit citron pourri là, c'est génial ça. Moi j'ai tellement Ouais, arrêté de ramasser les c'est... trucs. C'est ça, c'est juste pour aller piller un énième truc. Non, j'ai récupéré deux pare-chaux en passant. J'ai récupéré des potions. Potions, c'est bien. Oh, un petit coffre lourd là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que moi j'ai De l'eau trouvé. bénite et Ouais. des bombes à poudre à canon. Allez, dans l'inventaire. J'ai l'impression qu'il y a un grenier, je ne sais pas comment y accéder. Mais t'es où? Bah, j'en suis en train de fouiller moi aussi, parce que peut-être qu'il y a d'autres endroits où se faire des richesses. Un petit pécule, je comprends. C'est marrant, les persos que tu as réussi à copiner avec, ils apparaissent carrément en vert sur la map maintenant. C'est bête, mais il y a plein de petites bidules qui changent au fur et à mesure du temps, c'est pas marrant. Potion de guérison importante, allez, c'est cadeau. C'est où là? Bah, je reviens vers vous là. Ah, j'arrive aussi. Ah. Oh, 2 secondes, j'ai trouvé un nouveau coffre lourd. Oh, Ah, bon blindé bah. de potions. Lecture dans les pensées, supérieure, importante, résistance nécrotique. Allez. Mais t'es où là? C'est par où? Bah, je suis en dessous de là où on était avant. Ah, Ah, je ah vois ouais? une cage aussi. Ah, il y avait tant de trucs que ça? Oh, Ouais. merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé, t'es mort? Non, c'est juste que j'ai cliqué à un endroit mais le monsieur n'a pas aimé. Bon bah c'est bon. Ah oui, y a 10 milliards de trucs là où t'es. On peut enfin aller trouver ce putain de dragon. Mais 2 minutes. Il en peut plus, Katox, il en Le a marre. bénéfice, toi t'es pas un bon capitaliste, hein. T'as pas grand-chose. Hey, mais Alors, t'as fait comment Katox. pour y aller, toi? De quoi Ah là où mais il est, oh. Arlin? Bah ouais. Je te rassure, bah tu passes par là comme moi, regarde, hop. Passe par là comme toi. Bah il y a une porte, tu passes par la porte, tu prends l'échelle. Mais non, mais pas par là, faut dans le magasin. Et là, dans le magasin, quand je m'approche de la porte, le mec il est pas content. T'inquiète, t'inquiète, c'est bon, je l'ai ouverte la porte, je suis Mais passé à moi, en fait, côté. je suis passé par au-dessus. Je passais par au-dessus, ensuite il y avait plein d'échelles, du coup j'ai pris les échelles et puis j'ai fureté quoi. D'accord, donc j'avais parcours. Ouais. Ça. Mais c'est surtout j'ai dit au patron que j'étais son pote et c'est bon, il m'a laissé ouvrir la porte. Oh le mec. Also known as, je me suis accroupi, il m'a pas vu et j'ai ouvert la porte. Bonjour. Tu loupes hein, Katox, vraiment là, c'est un endroit qui est. Je pense que là tu loupes tout un pan de l'histoire. Par C'est contre, au moins ça. ce que je ne comprends Ça a pas, l'air c'est qu'on n'a débordant de vie. pas. Attends, mais Where Mock Effectivement, il y avait Fortress? plein de bonhommes. Oublie Pardon. pas qu'il y a un tonneau de poudre un peu plus loin de toi, tu peux le récupérer et le racheter à la collection. Attends, mais Wyrmrok, le pont il a été relevé, on peut pas y retourner à la forteresse. Mais vous voulez que j'y aille, moi? On n'a Mais. jamais rabaissé le pont, hein. On est toujours passé en Featherfall sur le coin où je vous attends depuis 3 heures pour faire ce Mais putain de truc. non, c'est sûr et certain qu'on est allé, on est passé par Ah le pont non, parce ouais, que. au début on est passé par le pont, ouais. C'est où qu'il faut aller? Attends, moi je peux Bah, passer par là. enfin, fallait retourner là dans la prison où il y avait le passage. Et tu veux que j'aille le baisser le pont, moi? Je peux, hein. Alors, Non, on peut pas? vas-y, tu peux essayer, mais je suis pas convaincu. Bah, sachant que je vole, tu sais. Ouais, voilà. Oh, je peux sauter jusque là-bas. Allez! Allez! Ok, je suis concentré encore sur le vol. Ciao, bye, je me casse. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai plus le vol. Voilà, oh, ça va être compliqué, hein. Moi, je crois que c'est la fin pour moi. C'est ma sortie, hein, comme on dit dans le métier, hein. Bah, Qu'est-ce que t'as
Il a bypassé. Pour le vide, il a été relevé, c'est pour une raison particulière. C'est... Ah ouais, il y avait bien une bonne raison. Hein. Ils sont pas gentils, les gens. Attends, mais oh, on va se débrouiller. J'ai de la ressource. J'ai pas de la ressource à ce point-là, par contre. Ah, attends. Ah oui, il y a une personne qui a souffert de décès là où je suis. Oui, non, mais. Lady Freda Oberon. Ouais, ça fait 10 minutes que je vous attends sur le coin avec un putain de Feather Fall, bon voilà. Attends, Lady Freda Oberon, c'est pas la meuf ah, ouais, qui t'es là. Hé, hey, Katox. Ça fait plaisir. Ouais, c'est. Hé, hey, salut, ça va t'attends là, c'est bon. On peut y aller? Bah, je vous attendais, mais y'en a un qui est en combat maintenant. Ouais, mais t'inquiète. Ah bah, il va s'échapper. Est-ce qu'il y a moyen de s'échapper d'un combat? Oui, tu dois juste aller suffisamment loin. Pour plus bah, être en combat veux, tu veux pas te recasser par où tu viens? Non, mais je suis vachement loin du gars, mais enfin, c'est-à-dire que là, je viens jusque vous, quoi. Ouais, vas-y, on t'attend. C'est ma nouvelle strat. Enfin non, on t'attend pas, on va se cacher, mais... Au bout d'un moment, peut-être qu'il va réussir à venir, le gars, mais... Je sais pas comment il fait pour passer sans baisser le pont-levis, quoi, parce que je crois pas qu'il puisse sauter, donc... T'es rentré dans la prison, Katox? Ouais, il y a du peuple. Bizarrement. Tu... avec... toi... Deux secondes, je rechange un tout petit peu mes spells. Ah, c'est bon, je suis plus en combat. Et c'est la fin de l'épisode. Et c'est la fin. Alors, Katox, es-tu en combat? Mettez-vous en stealth. Ah, je suis la nuit. Je beat the night. Et tout à fait. Ouais. Soigne-toi. Comme on dit. Ouais, c'est pour les faibles. Dans le milieu. Parce que si je m'infiltre, retirer la lumière pourrait être bien. Hop. Ah oui, ils ont l'air d'être préoccupés par la porte. Ah, ça leur a pas plu, hein. Ça leur a clairement pas plu, je crois, que je rentre. Hein. Alors, les avaient pas butés, eux. Non, on avait réussi à pas les tuer, les gardes, là. Alors, vu comment ils sont placés, là, à mon avis, ils sont de nature plus que hostile. Est-ce que je peux leur faire une petite... une petite chaîne d'éclair? Oh, bah là, à mon avis... Comment t'es passé derrière? Il faudrait que vous reculiez, parce que vous risquez d'en prendre plein la mouille. Moi, c'est bon, je suis derrière toi, normalement, là, je devrais pas me prendre du tech. Attends, je vais me mettre relativement loin, parce que j'ai pas envie que l'éclair arrive... Non mais j'ai pas envie que l'éclair arrive jusqu'à ma mouille, à moi. Est-ce que ce serait plutôt... Si l'éclair pouvait les toucher eux, ce serait bien aussi quand même. Ce serait bien. Je vise le point magique qui est au beau milieu. Attends, est-ce que si je me mets là, ça pose problème? Je sais pas. Tu verras tout de suite. Non. Allez. Ouais, c'est une ligne droite que tu fais là. Taïo. Oh, c'est Shen Éclair qui l'a. La bagarre. Je les ai tous mis midlife. Allez, dans vos mouilles les couillons. Faire ça moi. Oh, attendez, est-ce que... Ouais, ils ont plus beaucoup de PV, hein, je veux pas... Ah bah YOLO, hein, super. Eh ben YOLO. Qu'est-ce qu'il y a? Il vous a esquivé tous les deux. Bah manifestement pas assez longtemps, mais... Ouais, c'est ça, c'est vrai. Bon, bah ça s'est fait. Voilà. Comment régler une gestion de conflit? Est-ce qu'il y a toujours le cadavre dans le coffre là-haut? Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, il est toujours là. On va pouvoir le remettre avec ses potes. Ah bah ouais, c'est ça. Attends, ouais, c'est ça. On va maquiller la scène de crime. Je l'avais oublié ce coup du cadavre, ça fume. Ah, je peux en prendre plusieurs des cadavres. Ah ouais, tiens, non, mais elle finit pas tous les cadavres. Well. Bon, du coup, comment quoi... T'es censé faire un truc pour passer? Ah bah moi je vous laisse chercher pendant que je range les cadavres. Ah, faut lire quoi pour trouver? Le bouquin du Wyrm, normalement il avait filé à quelqu'un, Will. Mais il y avait un... Il est possible que je l'ai donné à quelqu'un pour que ce soit vendu. Ah putain. Ah. Alors, bah, je peux bypass l'énigme, mais c'est un peu con, quoi. Non, mais attends. Bah, je sais pas, moi. C'est toi qui est en charge des bouquins, moi, je te... Attendez, moi, j'ai une super idée. On va improviser.
Arda, viens avec moi, on va cliquer en même temps sur les deux dragons. Attends, je vais aller chercher. J'arrive. Je vais chercher le bouquin. Alors. T'es prêt ? 1, 2, 3. Ça l'a fait. On recommence. 1, 2, 3. Ça n'a rien fait du tout. Je suis vex. Bah, en même temps, si tu me dis pas comment s'appelait le bouquin, je peux pas essayer de le retrouver dans l'inventaire de nous autres. Ouais, je suis en train de regarder si je retrouve le nom du bouquin. Et parce que t'as gardé des bouquins sur toi ? Non, je les ai refilés à Katox, j'étais trop lourd. Le codex, les annales de Crassus, la page des sirènes ensanglantées, parchemin maculé de sang. Près des calmes pierres tombales de champs de creux se cache la voix des assassins heureux. Chercher un mécanisme dans la charpente, la porte de Sicarius attend patiemment de laisser passer les plus méritants. C'est ça? Et si jusqu'au bout vous souhaitez aller, brandissez un trophée au poignet tranché. En sacrifier. Non, ça a pas l'air d'être ça. C'est vachement beau, c'est. Je me rappelle. Non, mais j'essaie de trouver le nom du bouquin. Le seigneur de l'effroi, magicien notable. Katox, il a pas l'air d'avoir ça dans son inventaire. Hein. J'ai globalement lu tous les livres que t'avais, y a pas ça. Hein. Par contre, pourquoi t'as un livre avec où tu peux mettre plein de livres? Pourquoi tu les mets pas dedans? Un livre où je peux mettre plein de livres? Oh, Katox, j'ai l'impression. Non? De quoi il sert ce truc? C'est un livre avec de l'espace dedans. Ah si, tu peux foutre tes livres dedans, tu veux pas faire. Je fais ça pour toi, ça me stresse. Je le renverrai à Arda, c'est très bien. Hop là. Je sais pas pourquoi quelqu'un t'a donné des sandales, mais. Ça fait beaucoup, sandales. Ouais. C'est toujours, toujours plus que vaincu, c'est clair. Non, ben là, j'avoue, je sèche. Comme les saucisses. Ouais. Y'a pas un autre truc à... Alors, ok, c'était la légende d'Ansour. Comment elle s'appelle ? Le livre, c'était la légende d'Ansour. La légende de ouais. Ansour. De Ansour. Ansour, BG3. J'ai livre. Non, mais oui, mais ça va te spoil la... Si tu fais ça, ça va te... Comment dire ? Te spoil le... Ben, je cherchais juste le bouquin. Non, mais je suis en train de survoler juste pour voir s'il n'y a pas de livre. Parce que moi, les bouquins, quand on me les laisse 1000 ans dans l'inventaire, je me dis ça sert à que dalle. Hein. Je les refile à vendre. J'essaie de trouver si je. Ouais, là, j'ai que le passage intéressant, mais bon, si je vous dis ça, c'est clair que vous allez capter direct. Book. Ah, The Legend. Ah, oh. Est-ce que. Ah, j'ai le texte en anglais, parfait. Oui, moi aussi je l'avais en anglais, mais. Ouais, mais je suis sur le wiki, et je crois que je dois tout avoir. Ouais, mais moi aussi je dois. Juste le texte, comme si on lisait le bouquin, quoi. Ouais, mais j'aimerais bien le trouver en français, ça serait pas mal. C'est pas grave. Alors, c'est mieux en anglais parce que la traduction, je crois qu'elle était aux fraises, donc... Ok, bah je vous le lis en anglais. Alors, c'est parti. Baldur's Gate, Great Baldurian's Birth, O Balduran, Founder... Attends, quoi? Founder to Veneration, his guardian dragon Ansur, tremendous in worth, a savior below, our eternal elation... To Wyrmwë's near... Attends, to... Quoi? C'est quoi ces mots là? Oh putain, en plus c'est du vieux anglais. To Wyrmwë yes. Neath prison's deepest level. To be found by not a soul nor devil. Ensuite il y a marqué Not entrance in Wyrm's rock prison. Par UR, donc le père de Will, je suppose. With the lightning shock, a true hero's spark flickers. The torch is alight, and Wyrm's eye shall awake a glitter. Something about spark and torches. Use lightning skill. Its trails no common adventurer may exceed.
when each day sent forth new ones to their fates, but one great hero by the founders will decreed? Shall only once grant or age the art of the gate. Superbe, bah globalement dans... Faut électrifier les torches. Ouais, avec un choc électrique, ça la fait. L'étincelle du héros. Ça veut dire quoi? Comment on dit flicker? Non mais on a ouvert. Alors j'ai compris ce que ça veut dire, mais je saurais pas te le traduire. Bah, ah mais vous avez ouvert déjà. Ah, ouais, ouais, ah tu nous as dit faut électriser les flammes. On a électrisé les flammes. Hein. Bah ouais, mais j'ai pas le temps de revoir comment ça faisait. Bah, t'as vu les petites flammes bleues là sur le côté? Ouais. Bah voilà, maintenant elles sont bleues à la place d'être jaunes. Flicker, c'est clignoter. On veut aller casser du dragon. Ah par contre si mince. Pas grave, je vais refaire le test moi-même. Katox, attends-nous! Je vous attends. Ouais, moi je récupère les bottes, hein. Ah, mais attends, mais y'a un truc là! Des sandales elfiques, y'a une petite une ficelle derrière? Ça, c'est. Oui! Les elfes, ils mettent toujours des ficelles partout. Vous êtes allé voir tous les trucs qu'il y avait à gauche à droite? Tous les trucs qu'il y avait? Ouais, là y'a des chiffons là. Oh mon dieu, on est dans l'entrée du dragon, un chiffon! On se court. C'est un chiffon magique! ouais, ah, tu veux que j'aille là-bas? Attends, non, j'ai regardé, on peut pas sauter. Je peux vous assurer que pour le prochain jeu de rôle que je crée, mais je vais mettre des des loups de merde qui pèsent un poids con et vous allez vous démerder avec. Non, mais on sait jamais! Oh, il y a des fresques murales! Est-ce qu'on peut les loot? Paldurien en compagnie d'un dragon. Pas les looter, mais regarde. Aventure, si c'est bien le cas. Il y a un bouquin là. Baldurien et son allié ailé admirant le fruit de leur labeur à la cité de la porte de Baldur. Et, combien on parie qu'en fait le dragon il a aucune envie d'être là et qu'il va nous casser la gueule? Bah ça fera de la viande de dragon. Mais c'est vrai qu'en plus... vie, sur la cité, je ne crois pas qu'aucun récit mentionne cet épisode. Il y a un journal des aventures passées numéro 1 en dessous. Est-ce qu'on a la clé de la porte? L'entre du lac Rossir, du Dracossir, la légende disait donc vrai, et voilà que nous y entrons notre tour, trouver notre valeur, fière épée en main, dans la rencontre du dragon. Bon dragon, ou du moins nous l'espérons, puissent les dieux bénir notre mission. Et bah, c'est ouvert! C'est tout bleu! Bah oui, il y a Katox qui parle à la statue. Oh merde, Katox qui parle à la statue, attends. Quoi? Should my domain drown in torment? Be you the deluge, turn away. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si tu viens avec Egitianki? Answer true. Are you? Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, c'est pas les potes des dragons. Bah, les rouges. Mais c'est les dragons chromatiques et bronze, c'est pas très chromatique. Hein? Ah, les dragons que chevauchent les Egitianki, c'est les dragons rouges, donc les enfants de Tiamat. Qui sont des dragons chromatiques et qui kiffent pas les dragons métalliques. Et sachant que les dragons de bronze sont des dragons métalliques, les chromatiques c'est les méchants dragons, les métalliques c'est les gentils dragons. C'est ça. Il y a le bon dragon, il voit un ennemi, il crache du feu. Enfin, il crache tout court. Et il y a les mauvais dragons. Bon, mais c'est déjà ouvert. Tu vois? Hear me. A champion is proclaimed. The test begins. Nous, on est polis, tu vois. On demande on l'ouverture demande de la gentiment, porte. Gentiment, ouais, voilà. Ça, j'aurais kiffé, par contre, que le. Il y a un plan sur de l'autre côté et j'y suis, quoi. Ça m'aurait beaucoup fait rire. Ça m'aurait tellement fait rire aussi. Baldur, ouvre la porte! Ah, il y a du loot! Il y a du cristal, il y a de la manite grouillante. Pourquoi t'as. Ton machin, il est tout électrifié là? Oh mais ça doit être un... c'est mon bonus de... C'est un super bâton. La crépitant de la foudre de Kereshka jusqu'au prochain long repos. Attention, mais il y a un goût. Résistance aux dégâts de foudre. Et les sorts de foudre infligent des dégâts de foudre supplémentaires égaux à son bonus de maîtrise. Ouais, je vois que ton perso, il a une grosse conjonctivite un petit peu. Ouais, j'ai des gros yeux très très... Ah ouais, il est vénère. Ah, c'est pas bon.
Alors. Allez, je vous laisse chercher. Moi je. Il y a des statues. Il y a les Katox qui cassent des portes. Bon bah manifestement je vais par là alors. Je sais pas, au cas où c'est piégé. Ah yes, t'as commencé par le sympa. Ah mais il y avait une porte plus bas aussi. La salle du courage. Mm-hmm. C'est à dire que. Il y a un cristal. Il y a des cristaux. Bon, on va parler à Baldurien, au pire on lui pète sa gueule. Un champion brûle toujours. Ouais. Allez, c'est parti. Ah baston. Alors faut pas que la torche soit éteinte. Bon chance à tous. Ah ils en ont des PV quand même, c'est con. Et un de moins. Bon bah lui manifestement on le lootera pas. Le loot. C'est un élémentaire. Tu veux qu'il te loot quoi, de l'eau? Oui. Ah t'as raison, attends, tu penses que je peux le lancer? Trop lourd pour pouvoir être lancé, c'est dommage. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non mais l'élémentaire. Ah non c'est oui c'est un élémentaire d'eau, je crois que c'était un élémentaire de. Si je saute là ça passe. Attends, t'es en train de me dire que t'as projeté un élémentaire d'air dans le vide? Ouais. Non, c'est un élémentaire d'air qui est mort de chute. D'accord. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est pour ça que je suis... Ouais, c'est comme dans WoW, quoi, tu lootais des flocons de neige sur des élémentaires de feu. Ouais. Ah, il est sympa, il vient à moi. Non... Pas besoin de te montrer aussi véhément. Quelle brutalité. Moi je trouve que c'est vraiment, mais alors vraiment pas Coubertin de faire ça, monsieur. Pas Coubertin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le mettre par terre? On survit 4 tours à l'épreuve? Oh là là. Ou alors faut juste les tuer avant 4 tours, quoi. Parce que. Eh ben oui. 100% ils vont respawn des monstres. Ça fera plus d'XP. Mais on en a plus besoin, on est déjà level max. Ça c'est ce que tu penses. Oh. J'aime quand tu me parles comme ça. On te sortira un level 13, tu vas voir. On gère un peu attendri. Ah ça va. Moi, le gars me dit que tu fais pas de dommages. Non mais et encore, ça c'est profite de moi qui ne fais pas beaucoup de dommages pour le moment. Bon bah qu'est-ce qui me casse les couilles alors? Ah, et après je vais avoir une vraie arme pour la bagarre. Ah, pardon, excusez-moi. Après j'aurai une vraie arme pour la bagarre. Allez. Non, il m'a enlevé mon vol. Bon, par contre, c'est quoi là? C'est. Tu tankes comme un chef. Franchement, je suis très fier de toi. C'est quoi le principe là? C'est un plan A3 dans un coin hein? Enfin, qu'est-ce qu'on fait là? Après, honnêtement, Yamete, hein. Oh, ouais, il est pas mort, il lui reste 2 PV le salaud. C'est un peu Yamete Senpai là, hein. Si tu veux, je viendrai te. Ah ouais. Oh. Ah. Oh, oh Myrmidon. Je vous avais dit qu'il y en aurait d'autres. Et encore, là, on a encore 3 tours devant nous. Bah, à tout moment, je lance une boule de feu, hein. De quoi sur nous? Attends, je suis là, hein. Non, mais j'ai pas assez de points de ki pour lancer une boule de feu. Les femmes et les personnes de taille. Bon. Je peux peut-être acheter une bombe. Attends, les tape pas ceux-là. Ok. Moi, je trouve ça limite malsain. C'est ça, alors c'est pas beau de faire ça. Non, mais d'accord, enfin bon. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé un coup sur eux, quoi, du coup. Mais c'est ce qu'il t'avait dit, il les attaque pas. Oui, mais il l'a dit après que j'ai tapé, en fait. C'est ça le problème. Ils sont sur le bord du... Une bonne stratégie s'énonce toujours après avoir entamé les actions. C'est ça. C'est comme les commentaires que je mets dans le bulletin. Et au bord du gouffre, a fait un grand pas en avant. Les pauvres gamins, n'empêche. Tant pis, ils souffrent en silence. Et c'est pas des gamins, c'est des belges. Bref.
C'est vrai que... Alors... Oh non! Ah oui, je peux plus. Vas-y, tu... Tu veux que je m'éloigne? Il faudrait que vous vous éloigniez tous les deux, en fait. Je peux pas, c'est pas mon tour. C'est qui les deux? Bah c'est vous qui êtes devant moi. Mais c'est pas grave, fais-toi plaisir Arda, il faut se faire plaisir dans la vie, balance des spells. Vas-y, vas-y. Allez, je me suis éloigné. Voilà, il a pris zéro, incroyable. C'est parce que je lui ai mis mon égide projetée. Bravo ça. Il a safe le con? Oui. YOLO. Non. Ah mais quand ils sont mouillés, ils aiment pas les dommages de froid, c'est incroyable. Oh. C'est quoi ça? Eh ben silence. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Myrmidon de l'air. Ça a l'air un peu chiant. Parce qu'il manque pas d'air. Bah ça silence et quand t'es dans la zone, ça te tabasse la gueule. Là je vois ça. Ah donc, non il est plus mouillé. Noté. Oh, ah oui c'est vrai que je gagne des PV. Quoi. Non mais il y en a d'autres. Ah ouais. Bon. On se casse genre par là. Oh oui non. Et le mec il est empoisonné. J'ai fini à terre. Quoi moi? C'est quoi Ronge? Ah mais oui j'étais sur de la glace. Mais quel couillon. C'était con ça. Bon moi le mien je pense que je peux le finir. Eh hey, mais... Pourquoi je veux pas le taper? Ce que j'aime bien avec Katox, c'est que c'est expéditif. Ah, t'es près d'un rebord? Allez, vas-y, tombe. Salut. Tchuss. Excuse-moi, mais... La chute est pas là. J'avais des mucus de crawler, j'aurais pu essayer de les paralyser. Par contre, un myrmidon d'eau que j'arrive à empoisonner, ça C'est parce que tu lui as mis de la saleté dessus. Ah mais oui, non, c'est un jet de constite, c'est pas vraiment un poison. Par contre avec les compos que je t'avais envoyé, t'avais pas pu faire des élixirs de poison, enfin des petits poisons. Mais personne m'a jamais demandé de faire des... Ah je pensais que tu regardais dans les différentes cases. Ah bah non, moi il y a un moment je me dis est-ce que je vous fais des poisons, je fais non ça sert à rien, enfin pas toi forcément mais plein de gens m'ont dit non ça sert à rien. Et non parce que moi à la base de l'aventure vu que j'avais mon épée enflammée je pouvais pas mettre de poison sur mes armes. Que maintenant je peux en mettre vu que j'ai plus l'épée enflammée. D'accord. Parce que tout à l'heure j'ai récupéré un poisson de wivre. Je te l'ai envoyé quand même. Je crois que c'était à toi, je sais plus. Non, je pense que c'était à Atemir parce qu'il a mis un poison sur son arme là. Et c'est ah non, non mais moi j'en ai plein des poisons. Non, j'en ai plein des poisons. Ah bah s'il y a que ça, après je vais pouvoir me soulager d'un peu de poids. Et... Ah si tu peux faire les mucus crawler là, c'est. Enfin les. Je sais pas comment tu traduis ça en français crawler. Mucus. Alors c'est dans les. Dans les enduits. Toxine de crotte de serpent, toxine de verre pourpre. Non, on peut terminer le combat aussi. il faut attendre qu'il y ait la Tébère qui passe son tour. Attendez, je peux faire des choses encore. Ah oui, okay. C'est force. Ah. Ah oui, mais du coup. Ah, fais chier. Oui, 32 PV, 39 PV, tu vas le tuer. Bah... N'empêche, on leur tartine la mouille, hein. C'est. Je peux. Malheureusement, c'est un peu le problème, c'est que je peux pas. Ce que je comprends pas, c'est que normalement le truc électrique te balançait des dégâts dans la gueule et on en a pas pris encore. Bon, vas-y, on va faire ça. Allez, dégage. Ah, je crois. Ah non, peut-être que c'était juste. Tu t'es recassé la gueule? Non, je me suis toujours pas relevé. Voilà, mais non, mais franchement, le myrmidon de l'air, il est tellement bien. Oh là là. Bon, il est chiant. Je suis stun, c'est pas drôle. Je voulais le défoncer. Il est bien. Alors, monsieur, je vous demande de vous arrêter. Vraiment? Oh bah ils ont rien sur eux en plus. Bon bah, y a rien de perdu alors. C'est élémentaire. Ah, c'est votre tour. Ton courage, c'est un exemple à suivre. Le courage est en mode un mec. Ah, poussez-le! Et c'est là-dessus qu'on clôture l'épisode. Du coup, on fait des bisous à tout le monde. Bisous. Bisous. Salut. Je te filerai l'anneau après. En échange d'un anneau à toi.